Tell me, sir, 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 tell me, sir
Thank you.
parce que nous avons vivre dans Kimiote. On a droit à vivre le roi Batunios. Ambassadeur à Rwanda, ambassadeur à Ouganda. Na Ouganda, on a tombé 19 étudiants. Finalement, tu es vivé. Tu es vivé dans la paix, tu es vivé dans la Kimia. Si on ne peut pas vivre dans Kimia, tu es vivé dans la continue. Tu es vivé dans la marche. Ou soit tu es vivé dans la maison, ou soit tu es vivé dans la maison. Tu ne peux pas quitter pour la maison. Tu ne peux pas faire la maison. Tu es vivé dans 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 la Kimia. Le roi va patriotique. C'est pour cela que nous sommes pour soutenir les FARDC. Jusqu'à la fin des combats, nous allons continuer à faire ça en marche. Il y a moins de gens qui sont là. Je ne sais pas si tu as un calme, tu as un peu de temps. Jamais on n'a pas été demandé à payer Nayo, Aya Atama Mabusouba. Jamais on a voisin Nayo, Atama Abundisa, Yo, Renanda, vous n'avez pas simbaté. Jamais on ne peut pas te marcher, on n'a pas de foc à la vous exacte. Ah, vous exacte, je ne peux pas marcher. Je peux marcher. Je finis à la question. Merci beaucoup. Bango bango kokaté, abéné bango pour la bisso. Nous avons marché, nouvelle élève ont marché pacifiquement. On a pour soutenir bande konabiso ba FARDC, on a bitumbo ya makasi bazobunda. Les lo Rwanda, Uganda, Burundi, bandi ba comme ça Congo, le ko na mboka na bango. Les bisso peuple congolais, le ko na Adolf Muzito. On a mboka Adolf Muzito dans le bakala. Jamais donc on négocie na batwana. Il faut donc bundi sa bango, donc que sa bango de quoi la République démocratique du Congo est capable et puis est fort. Yango lelo et longona mon amour Adolphe Mouzi. Yango lelo maman lelo maman lelo maman lelo maman lelo Thank you.
Et là,
Il n'y a pas de problème à dire tout ça pour la boue. Congo est la nouvelle là, vous m'entendez. Bana Basili, na bitumba, tolingi bitumba te, tozo lingale toza na kimia na mboka, toli ya bie, to vanda bie, to la la bie. Mwana nini bana bazako sila kaka bana to akufi, bana bato bakufi na bitumba. Na ese bana bakufi, biso ba mama to boy, tozo le la bana na biso, ikambo ye sila bana basila. Elo konga na lobi, epa mokonzi ya mboka, azonga simate, azonga na riete. Tolembi, ce bitumba, toko to Rwanda. Azonga simate. Makambo ya négociation ezate. Toke nena ye, toze na simate, tozo kene bo. So ba ko tisa biso, ba tisi biso. Toke, makambo ya négociation, toke ndo Rwanda, Angola, o Burundi, ezate.
Avec la communauté internationale aussi, nous sommes fatigués. Ah oui, merci beaucoup, chers journalistes. Ceux qui sont alliés à Balabala sur toute l'étendue de la RDC, et allez appel au Ebengama qui est baillé à mon amour qu'Adolphe Mouzito. Dans le nouvel élan, tous alliés à Pona Babilo comme Misato. Il y a les bossos pour soutenir la FRDC Nabiso par rapport à l'agression rwandaise. Il y a mis baleine de Konangaï, tous alliés à. Bon, on a ambassadeur ougandais sur le sol congolais. Parce que tu constates que l'Ouganda est aussi complice dans l'agression rwandaise. Et à Misatu, tu as un gouvernement au Yabiso. Baye bako bima na kati ya communauté des États de l'Afrique de l'Est. Parce que communauté on est allé à l'Okuta. Trop c'est trop. Le pays est mietté. Bande Koyabiso bako koufa matin, midi, soir. Voilà la raison pour laquelle Bilenge, ba tata, ba maman, ba chef coutumier, Bisonio Soto Telemi, le loyo pour lancer un message dans le monde entier afin que trop c'est trop, complicité oyoyo, ils allaient contre la RDC pour balkaniser notre pays. Nous nous sommes levés comme un seul peuple pour dire non. Et à travers le message d'Adolphe Mouzito, oui, oui. À travers les 10 recommandations d'Adolphe Mouzito, à Pesaki, il y a un de biso toali na balabala. Bon ako bengana, ambassadeur ya Uganda. Merci beaucoup.
Bonjour, messieurs les journalistes. Awa sikoto komi na rond-point Bongolo. To uti banda nani rond-point ya Kenza, awa sikoto komi na rond-point ya Bongolo. To zo kende ti na ambassade ya Uganda. Pona ko benga na ambassadeur ya Uganda azonga na mboka na ye. To oye zali deuxième marche na biso to sali. Première marche to sala ki ezaki pona ko benga na ambassadeur ya Rwanda. To benga na ke pazonga ki na kimya. Alors siko oyo to zo benga na ambassadeur ya Uganda. Pourquoi tu es un ambassadeur à Ouganda? Parce que ba bomi bana na biso ya étudiant nyoso o ba kende ko tanga na Rwanda. Alors ba bomi bana biso so na Ouganda ba étudiant nyoso bo ba zo ki chance ki mabakimi mais belende ba kufi. C'est pour ça to moni ça ne sert à rien. Ya ko vanda na bango biso to zo na problème na bango te. Mais bango ba koti problème ya Kagame na Congo biso to lingi makila ya batu te. Depuis bango babandaki biso menace na Congo. Jamais biso ba congolais to bomi Rwanda moko, jamais to bomi pe Uganda. Mais bango bazo boma biso yango to lingi na biso ba problème te. Ambassadeur ya Uganda akanga biloko na ye azonga na mboka na bango. Ati kabiso kimya. Nangonga oyo eloko moko ezoka musabiso. Nangonga oyo ba Rwanda bazo boma biso. To moni batu ya sept pays to Batu ya droit de l'homme ba solo belo côté. Droit de l'homme était maraka na Congo, soki ba violer mwana ya muke, des droits de l'homme était l'ennemi. Maintenant le droit de l'homme viole oyo ba Rwandais na ba Ougandais, ba zo sala pona biso. Maintenant droit de l'homme ezali wapi? C'est pour cela nous les peuples congolais, on a décidé que aujourd'hui nous allons marcher pour chercher la paix. Yango wana to tamboli po ambassadeur a Uganda azonga na mboka na ye na Uganda babonu biso bande kona biso ebele alors to lingi kimya na mboka na biso azonga na mboka ne na kimya to zali bana ya papa Adolphe Muzitu parti na biso ezali parti ya nouvelle élan bien papa na biso azali visionnaire du Congo oyo azo pesa ba kaliki na mboka pe zo tosa ma pe zo sale makimi ezo kota nde yango wana merci yaya ngai pe mama na bakisi maloba naza mama koko na bundi bitumba ya mboko oyo biso jamais to boma ta Rwanda moko bakende ko tanga ba yeba sepeli baliaka na biso betidia na biso batu bakende ko tanga kuna ba bomi bomi bango c'est pour cela lelo to chinye to kende ko telama na ambasadi ya Rwanda bazonga kote bauta toboi na biso makila ya bato toboi na biso bitumba yelelo tozana posa bitumba te songa njila Muzitu songa njila fumapa yende yende mutu musisu te Muzitu songa njila fumapa yende ame mabiso litia kontineti na suka to lingini su bitumba te to lingini su makila ya bato te biso tobo makate bango bazo bo toketia suka na ambassadeur yo Rwanda lelo tozolo lobi to linko mole ali sute akanga bisaka na kende bisolo bamboko na bango tokenda kate tozo nyokama utaka lo tolia kate tola takate tokolo nyokama masani na mtu ba mama koko toka senga kana ba député ezana litomba te bakende babandika na bakende tozana posa bakende yango to sale lelo marche na biso yo ko soutenir kongo na biso awe ndemia zate to ya po to sanga na to bundele kolo na biso merci ah merci
Oui, maman, Ozan a raison. Il faut y avoir une convention de Vienne. Au moins que je me trompe. La convention de Vienne est lobby que ceux qui ont expulsé l'ambassadeur, ils ont payé, ils ont accrédité. Effectivement, le service est un service administratif. On a essayé la moussala. Yangoana, Lelo, nouvelle élève, Minanzela. On a koyé, bisa Lelo, Namokili, Mobiba, Tozali, Naposa. Il y a ambassadeur, il y a Ouganda. Azonga et pas Nabangopo, Bazali. Ndenge moko, on a Barouandé. Azon travaille de manière collégiale. Azon travaille de mèche. On a déstabilisé RDC Lelo. Donc, Zali, expression mounene. Mbela, y a moi, Nambok Adolphe Mouzito. Et Yokani, Namokili, Mobiba. Bamba tetangwa no bakito sala bitumba na ba Rwanda il était incompris lelo ba congolais ba comprendre nécessité ya ko répondre massivement na question na parce que ça li question moko et ça li d'ordre ya sursaut patriotique
Donc il y a un moni lelo pour profiter de l'événement oyo pour ébisaba kondia mboka au-delà du fait que bisoko bimina nzela pour la expulsion ya ambassadeur ougandais mais to sengili susu na gouvernement asala oto bengaka cessation ou soit rupture ya ba relation diplomatique pour la permettre à ce que ba service administratif na bango ekanga. Merci mon amour. Mais pourquoi vous accompagnez la SIDRT? Bon, SIDRT est une initiative, mais vous allez une initiative personnelle, la autonomie à ma parti politique. Nous sommes allés nouvel élan, nous allons dans la plateforme la Mouka, il y a moi tous une initiative Nabiso, il y a Rotambo Lanzela, on a reçu sa ambassadeur ougandais à Kende. Donc vous comprendre que Ouganda est allé alter ego, il y a Rwanda. Donc c'est du plan bonnet, bonnet blanc. Expression démocratique, il y a une population, il y a un militant nouvel là, il y a un nouvel là, il y a un nouvel permettre au gouvernement, ayoka o peuple congolais à Lingi, ayoka o congolais lambda à Lingi, ayoka o citoyen congolais à Lingi. Leadership, dans la mesure de contrôler qui tient ça, il y a un moment que nous avons la mouka parce que nous avons la mouka et la mouka. Et là, au moment que nous nouvel là, et tant que force, les accolades à la Kinshasa, le monde est plein à craquer et puis tous les arabes pour la rouler, ça peut les congolais que non. Lutte ça va continuer. Objectif, il y a marche en Abisso Zali pour la Kosenga, départ et ambassadeur ougandais dans Bourg en Abisso. Et puis, pour soutenir la FRDC en Abisso. Je pense que Batomissou, dans le monde, on a compris que non, tous les Tambola, pour la soutenir le régime, tous les soutenir le régime, tous les soutenir la FRDC. Et puis, Kosenga, départ et ambassadeur ougandais. Pour le boulot, il y a une facilité d'entrer, il y a 1-23 la carte en boucle à la biseau. Et Bélé, il y a tout le boulot qui est le pire que vous salez. Mais vous m'avez dit que la différence entre Maïna Mafou de Salemi, voilà, vous avez un militaire de la Mouka, nouvelle là, aujourd'hui, une initiative, il y a pour mobiliser plus de milliers de personnes pour tout ça, vous êtes en boulot, jusqu'à ce que vous êtes en boucle à la biseau, il y a ambassade, il y a Ouganda. Donc voilà un peu, en résumé, et l'autre, vous êtes en boucle. Donc, mon objectif est marche les alliés. Dengue tout cela qui est l'ambassade à Rwanda. Dengue tout cela qui est la manifestation contre MONUSCO. Tout ça pour continuer de l'oeboué. Et puis pour interpeller l'autorité. Il y a qu'on peut y a qu'on négocier dans le 1-23. Ni moi encore pour négocier dans le Rwandais. Ceux qui ont négocié, il ne faut pas négocier dans le maître. Dans le monde, tout ça, France, Belgique, États-Unis. Dans le monde, à la base, il y a une union sur l'oeboué. Et ça, c'est qu'on est en boucle à l'abisso. Donc, important, ça marche dans l'abisso. Les alliés. Voilà un peu, et là on a eu que le Bayamwa. Bon, pour bien dans l'ambassade, l'ambassadeur, c'est pas ça l'objectif. Le problème de la biseau des Alliés, il ne faut pas respecter le Congo. Parce que pour bien dans l'ambassadeur, mais pour tout dans l'ambassadeur, je ne crois pas que l'ambassadeur, l'ambassade, moi, au Bino Boébi, qui a mis son nouvelle, là, la Mouka, le Tamboula, qui, au Boéba Bengani, et ça pour Tamboula. Et si c'est le masque que non, ils ont ça là. Mais je pense que ça marche à Libosso, peut-être qu'on continue lutte la biseau. Jusqu'à ce que en 2023, moi la Mboka Félix Tshisekedi, dans ma repère bateau de commandement, dans moi la Mboka Adolphe Mozito, par rapport à la présidente d'ici 2024, pour la cause au peuple congolais comme dans le paradis. Parce que le lot, Mboka la biseau, ça a un problème de leadership. Leadership est très faible. Diplomatie est foutue. Il y a un autre sein à Congolais. Moi la Mboka Adolphe Mozito, mon sali à la Mouka, ne pas l'obité. 2024, passation. Entre M. Tshisekedi et Adolphe Mozito. Adolphe Mozito ou rien. Donc il y a moi la promouvoir. Le lot, nouvel élan est confirmé leadership. Mozito a confirmé leadership naé. Bomoni, ma camarade Maître Blachat Mongomba, Bomoni de Kolumumba, la bande de Komisutoza, Awaboué. Pour vous dire que non, à partir de Lelo, contrôle à Kinshasa à Congo, et ça n'est pas Adolphe Mozito. Parce que mal c'est eux salimi Awa. Et salimi kaka la Kinshasa te. Aucun à Kasongolunga, aucun à Monedutu, aucun à Équateur, aucun à Lubumbashi, Marx et Salemi. Mais besoin mon Awaboué, et à la maman Chatel Mozito, et à la Toms, mon Mozito, et à la Nekolabiso Benoît, de Tambolina Bango pour vous dire que non, Adolphe Mozito, Azamutu Oboué, après ça, exemple, et non, il y a pour exposer Banabatu, Bakanabunga, policier, il y a pour soi la policier, pour moi, il y a Mozito, Baza Awa.
Donc, rien à dire. On a rassuré le peuple guinois. On a rassuré les Congolais. Et ça, que 2024, Mozito, président de la République, voilà où nous allons. Soutenir Bango et Tumba Kende Tina Souka, ma Kamboya négociation et Zate. Donc compléter les Kamboya ambassadeur Uganda ou Azaliawa, Abimanakati Amboka Congo Akende, Yazo Salabiso, Netiba Rwanda, Bazo Mundisabiso Soukande, na Bango na complot, na Kumbisabiso. Impression Abiso, to boy Moka Nabiso et Kabwana, Congo et Zakaka et Moko. Na ba soda, na ba politicien, na opposition, na gouvernement, Congo est à moko. Ba groupe armé nationaux, oyo bazala na kati ya mboka na Zamba, Bobima. Oui, Yami Balé, excusez. Tolobi boye, Zamba la liboso te ba agresser biso. Ba agresser ka biso mbala na mbala. Mais tolonga ka bango ndenge nini? Ndenge tolonga bango turoyo, ndenge tolonga bango liboso. Tolonga bango kalamiki te bokomona ba vantu ndenge nini lo leka. Merci mi. Ah oui, ah, c'est un nouvel élan. Juste toujours marché, bambate, tout le monde y était, banguna, bakote l'huissé belé. Ça fait plus de 20 ans ou 25 ans, oyo, Rwanda, na Uganda, bazo joué, ba jeune, na bango, pour na kokabo, la mbonga na biso, et longo na bato batinda ga bango. Yango, ne ngai, ba chef coutumier, oyo, moni oyo, biso nyoso,
to sangani sima ya mosito nouvel élan to lobi ete kaka lelo oyo bande ba banguna wana il faut batika mabele na biso to bandi e pa nani ambassadeur na bango oyo azao ambassadeur ya Uganda ba chef coutumier nouvel élan Adolphe Muzito, bisonyo soba congolais to tamboli to boyi to lobi akende ndenge moninga na ye ya Rwanda akende ki bangone so bazaka ndenge moko bazabo to moko Rwanda Uganda bazaka moko bango babunisa biso en plus de ça ba chef coutumier na biso na visionnaire Adolphe Muzito to moni ete soki to kika ka boyi na bato na ma négociation to salaka depuis kala et simbaka na ngote to lobi ete il n'y a plus question de négociation. Soki bitumba, bitumba est salema parce que tolembi déjà to bunana bango batika mabele na biso to tika na kimia ndenge Congo e mesana ko na kimia wanande o zomona mutinda marche o tout ça lelo o nouvelle là le ça là soutenu par ba chef coutumier lelo ba chef coutumier ba ndimi mozito ba lobi to ko kena mozito ti na suka parce que aza mwana mabele il faut que yebelo ko wana. Alors je pense que ya ko ba bele zate aussi ça va marcher na suka marcher soki banguna ba kolinga ko bimate na ebiete baze bele baza mate mangungi ba yoka gate mais awa osakoi oyo ne signifie le comme sus ba robima atako yango moko elanda bango tina zamba tina bisobe sikira batami ba koyeba force oyo ya mboka le lomboka etelemi elobi lo ba moko banguna ba bima merci.
Thank you.
transition. Bon, mon spectacle, nouvel élan. Nouvel élan pour le monde. Bon, et Simbi, vous avez pris votre position. Merci de même, Congolais. Militaire nouvel élan, et vous avez la mobilisation de Makassi. On leur paye grand la merci. Ambassadeur Ouganda, le voyage de toi, le voyage vous est venu. Monsieur l'ambassadeur, vous êtes venu. Oh, foutant, Gadi! Vous êtes venu, mesdames, ambassadeurs, vous êtes venu. Ambassadeur à Ouganda, à Kende, à Ouganda. Bon, la jeune à Bango, tu es venu déjà, mais c'est Kagame. Il y a moins d'habitude à la nouvelle, et là, la jeune union, sa nouvelle, tout ça, la barabala. Bon, à Kobe, mais c'est Mousseven, à son ambassade, à Bango, à Kende, à Kende, à Kende. Ah oui, il s'appelle ma maman nouvelle, et là, ton lobby, bien, les londes, les lots. Visionnaire à l'Oba, les visionnaires du Congo, elles sont toujours en longueur d'avance. Tant à l'Oba qui bandit, mais là, qui te le lot, c'est raison. Bon, allez, l'eau, expulsion, il y a ambassadeur, il y a Ouganda. Non à la balkanisation de la RDC et oui à l'annexion du Rwanda et de l'Ouganda. Et l'Oba, fumons pas les grands visionnaires du Congo. Kimia, totang la déclaration à appel du 17 novembre 2022 du Nouvel Élan. Nous, militants du parti politique Nouvel Élan, résidé par l'ancien Premier ministre Adolphe Moussito, membre de la plateforme politique des résistances Lamouka, exprimons à travers le présent appel notre position également partagée par l'ensemble de patriotes congolais face à l'agression et l'occupation rwando-ougandaise dans la partie est de notre pays à travers de groupes terroristes recrutés, encadrés et équipés par les armées régulières de ces deux États qui sèment chaque jour qui passe la mort et le désarroi au sein de nos populations, tant civiles que militaires. Point 1, nos considérations. Les 10 groupes terroristes, dont principalement le mouvement dit M23, tirent l'essentiel de leur puissance mortifière de moyens militaires, logistiques et de ressources humaines que les pouvoirs rwandais et ougandais mettent à leur disposition dans le cadre de leur visée hégémonique contre l'intégrité de la République démocratique du Congo afin de faire main basse sur nos richesses minières. Pour rappel, le groupe terroriste M23, créé selon les archives disponibles le 4 avril 2012, avait été défait
complètement le 5 novembre 2013 par le FRDC, appuyé par 3069 casquets bleus sud-africains, tanzaniens et malawites de la brigade d'intervention de la MONUSCO, voie résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Comment alors comprendre que quelques années plus tard, ces mêmes groupes terroristes M23 de fait militairement dissous et dont les combattants rescapés se sont réfugiés en Ouganda et au Rwanda puissent aujourd'hui détenir de moyens militaires modernes et sophistiqués que même la MONUSCO n'a pas, selon les propres dires de M. Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, si ce n'est grâce à la complicité de nos deux voisins que sont le Rwanda et l'Ouganda, les deux pays hôtes de combattants rescapés du M23 en novembre 2013. Par ailleurs, il sied également de rappeler que les attaques et la chute de la localité congolaise de Bunaganda le 13 juin 2022, Rutshuru et Kiwanja le 29 octobre 2022, ainsi que l'insécurité endémique que l'Ituri donne aux observateurs. Objectif, la preuve que ce sont bel et bien le Rwanda et l'Ouganda qui conçoivent, planifient et supervisent ainsi l'exécution de leur projet de balkanisation de notre pays. Pour ce faire, ces deux pays assurent aux divers groupes armés sous leur contrôle l'utilisation de leur territoire national respectif comme base arrière ainsi que tous les moyens de leurs armées nationales respectives pour la réussite de leurs opérations de déstabilisation de la République démocratique du Congo, particulièrement dans ces provinces du Grand Kivu et de l'Ituri. Pour sa part, se sachant démasqué dans son rôle de pyromane principal, M. Paul Kagame ne trouve pas de meilleure défense que de continuer à se servir de façon et honté de son septennal et fallacieux prétexte de la présence imaginaire de troupes de FDLR en République démocratique du Congo, afin de tenter de justifier la volonté de son pays de continuer à embraser la partie est de la République démocratique du Congo, comme il le fait depuis déjà plus de deux décennies. Vu la gravité des actes et discours des dirigeants politiques et militaires rwandais et ougandais, le nouvel élan exige 1. La reconnaissance officielle du Rwanda et de l'Ouganda comme pays agresseur de la République démocratique du Congo et le rappel à Kinshasa